jusqu'à là. Donc, je rappelle que on a terminé tout le programme au niveau de la théorie. Donc, là, le restant des lives, donc jusqu'au 15 juillet, bah, ça va être plus de, enfin, d'applications, d'exercices. Donc, on va commencer à s'entraîner à lire. Okay? Alors, aujourd'hui, on va faire un autre exercice. Alors, je vais vous donner donc deux colonnes. Une première colonne qui va regrouper les mots français, d'accord, la traduction. Et juste à côté, dans une autre colonne, ça va être les mots en arabe. Donc, l'exercice demandé est le suivant. C'est-à-dire que il faut me retrouver, donc il faut réussir à relier le mot français au mot arabe. Donc, il faut que vous trouviez vous-même le mot. Et donc, premièrement, il faut repérer le mot. Donc, me donner, par exemple, le numéro de mot, donc la ligne, par exemple. Et me donner aussi la phonétique. Donc, ça va être un double travail. Donc, premièrement, il faut regarder les mots. Ensuite, il faut me dire, voilà, ce mot-là en français correspond à celui-là en arabe, et vous me donnez pour l'arabe la phonétique. C'est-à-dire, il faut que vous, donc il faut réussir, il faut réussir à trouver le mot en français et donc donner son équivalent en arabe. Alors, vous allez me dire, c'est compliqué tout ça. Non, c'est pas compliqué parce que c'est des mots qui sont dérivés, d'accord? C'est des mots d'origine arabe. C'est-à-dire, les mots que je vous donne aujourd'hui, c'est des mots qui ont été issus de la langue arabe. D'accord? Donc, en principe, ça ne doit pas poser problème pour trouver. D'accord? Donc, ça a été un exercice passionnant parce que vous allez découvrir beaucoup de mots qui se ressemblent entre la langue française et la langue arabe. D'accord? Donc, je vais commencer à mettre les mots sur le tableau. Donc, je rappelle qu'il y a à peu près 3000 mots dans la langue française qui trouvent leur origine dans la langue arabe. D'accord? Il y a 3000 mots. D'accord? Donc, aujourd'hui, on va essayer de donner, on va dire, une vingtaine, une trentaine. Et après, on va essayer de donner une phonétique. Alors, ici, donc, ça va être les mots en français. Donc, alors. Pour l'instant, on va se limiter à ces mots-là, d'accord? Donc devant, je vais mettre
l'équivalent, d'accord, les traductions de ces mots-là, l'équivalent en arabe, mais dans le désordre. Mais c'est à vous de me dire, par exemple, donc, je vais demander à la première personne de me trouver la gazelle parmi la liste que je vais donner, donc des mots en arabe, d'accord? Donc, ils vont pas être dans l'ordre, bien évidemment. Et donc, c'est à vous de retrouver le mot correspondant, d'accord? Alors, les mots, bien évidemment, ils vont être avec le alif lam, donc. Donc les mots définis. C'est mieux que j'enlève le alif lam parce que ça va compliquer un peu la chose. Plus simple. Donc je donne simplement des mots indéfinis, d'accord? J'enlève le déterminant. Ça c'est bon, ça c'est bon. Donc je rappelle, alors. Donc là, donc c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et là, on va voir. Donc le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, 6, le 7, le 8, le 9, 10, 11, 12, 13. Alors.
Alors, je répète le principe de l'exercice, d'accord? Alors, ici, vous avez les mots en français, d'accord? Et là, vous avez leur équivalent en arabe, mais dans le désordre. Donc, je vais désigner la personne. Donc, par exemple, pour le premier mot ici, le 1, c'est-à-dire, par exemple, la gazelle. Donc, vous essayez de trouver le mot ici, correspondant. Ils vont me donner le numéro, d'accord? Ils vont me donner le numéro correspondant. Donc, voilà. Si, par exemple, c'est celui-là, le 8, vous me dites le 8. Voilà. Il faut me dire simplement le chiffre ici en rouge. Voilà. Et en plus, donc, entre deux points, il faut mettre la phonétique, d'accord? Il faut mettre la phonétique de ce mot en arabe. Donc, il faut trouver le mot. Ensuite, il faut me dire, voilà la phonétique de ce mot-là, pour montrer que vous avez réussi à le lire. D'accord? Donc, vous remarquez que tous les mots ici, à la fin, ils se terminent par « un », donc c'est le tenwin, d'accord? Donc, parce que c'est des mots indéfinis. C'est pour ça qu'on a mis « dammatan » à la fin. Donc, deux petites boucles à la fin. Donc, tout le monde, donc on a assez de mots aujourd'hui pour faire participer tout le monde. Mais, je le répète, il faut respecter la consigne. Celui, encore une fois, qui va répondre sans qu'il soit désigné, malheureusement, il va se trouver dehors. D'accord ? Il va être exclu de live. Donc, barakallahu fikoum, merci de respecter ça. Je vais appeler tout le monde. Donc voilà, vous appelez, vous attendez que je vous appelle, que je désigne les personnes. Je ne veux absolument pas que vous répondiez à la place de la personne désignée, d'accord? Donc afin qu'il y ait un maximum donc de bénéfices pour tout le monde. Et donc sachez que c'est des exercices qui sont destinés à tout le monde. Donc voilà. Donc comme à l'instar de tous les exercices qu'on a fait par avant, c'était destiné à tout le monde. Donc, prenez le temps, d'accord, de regarder et d'essayer de lire les mots-là. Donc, ils sont très, très proches, d'accord, très, très proches. Vous n'aurez en principe pas de difficulté à trouver les noms en face, c'est-à-dire les mots qui sont sur la deuxième liste. Est-ce que vous avez tous compris l'exercice ? Est-ce que vous avez compris? Ok. Donc, voilà. Très bien. Alors, en principe, même si vous connaissez pas certains mots ici sur la liste en noir, en principe, il y a beaucoup de ressemblances avec le mot en arabe. Il y a beaucoup de ressemblances. Donc, lorsque vous avez essayé de lire ces mots-là, en principe, obligé, il y a un mot ici qui va ressembler le plus. D'accord? Obligé. Vous voulez que je zoome un peu? C'est bon comme ça? Alors, bien évidemment, si vous voulez pas être perturbé par les commentaires, n'hésitez pas de swiper sur le côté pour pas voir les commentaires. Et donc, barakallahu fikoum, pendant l'exercice, il n'y a que la personne désignée qui répond. Je ne veux pas voir d'autres commentaires à côté, s'il vous plaît. Donc, il n'y a que la personne désignée qui répond. Donc, s'il vous plaît, abstenez-vous de répondre pendant l'exercice. Donc, il n'y a que la personne désignée qui répond, s'il vous plaît. Merci. Alors, on va commencer. On va appeler. Alors, on va appeler. On va appeler Saliha. OK ? On va appeler Saliha. Donc, pour le premier mot, voilà, on va aller dans l'ordre. D'accord ? Donc, de 1 à 13. Et donc, vous me donnez simplement le chiffre ici. Donc, vous repérez le mot en bleu.
qui correspond. Ils vont me donner donc le chiffre. Et juste après le chiffre, ils vont me donner la phonétique. Comment vous lisez le mot là? Donc le mot en question. Ah, il manque une harfa ici, oui. Merci. Il y a un soukoun ici. Donc saliha, donc pour le premier mot, gazelle. Pour le mot, le premier mot, gazelle, est-ce que tu as trouvé le mot en arabe? Saliha qui répond seul, s'il vous plaît, barakallahu et je ne veux pas voir d'autres messages pour l'instant, s'il vous plaît. Ça m'a dit quoi? 310? Très bien, parfait. Alors, ok, très bien. Saliha, donc tu as bien repéré le mot. Donc, simplement, donc, donne-moi le... Donne-moi du coup la phonétique, s'il te plaît. Donne-moi la phonétique du mot. Ghazalioun. Ouais, c'est presque ça. Ok, c'est presque ça. Alors. Ouais, là c'est bon. Ghazalioun, très bien. Donc, Ghazalioun. Ghazalioun. Donc, en arabe, Ghazalon, donc c'est le 10. En français, gazelle, gazelle. Donc, il y a le G, Z et le Lam. Donc, ici, pareil, le Ra, le Rein, le Z, le Zaï et le Lam. Ghazelle, gazelle, très bien. Parfait. Ensuite, je veux... Alors, Moussa. Moussa, Sina Simon, est-ce que tu es là pour le deuxième mot, s'il te plaît? On dirait une voyelle super longue. Pourquoi super longue? C'est Moulirette pour le graphique. Vous répondez pas pour le. J'ai pas demandé à tout le monde de répondre. Respectez les consignes. Je ne veux pas d'intervention pour l'instant. Pourquoi cette hyperactivité? Retenez un peu vos doigts. Arrêtez de répondre. Je ne veux pas de réponse pour l'instant. Je ne veux pas de commentaires. Je ne veux pas de commentaires, s'il vous plaît. Je ne veux pas de commentaires. Il n'y a que la personne désignée qui répond que je ne veux pas voir d'autres commentaires, s'il vous plaît. Est-ce que c'est clair? Arrêtez de répondre. Arrêtez de répondre. Barklofikoum. Alors, Moussa, pour le deuxième, s'il te plaît, pour le deuxième mot, magasin. 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 C'est quoi le mot correspondant? Alors, Najma, s'il te plaît, c'est moi qui désigne les personnes. Barakallahu fik. Donc, tu m'as dit le 9, très très bien. Marzit. Alors, c'est. Attention. Alors, la dernière lettre. La dernière lettre. Moussa, c'est pas un T, c'est pas un T, c'est un Noun. C'est un Noun. C'est un Noun. Alors, rectifie s'il te plaît, Moussa. Voilà, comme ça c'est clair, j'ai que. Allah Moustan. Alors, Moussa, s'il te plaît, sois réactif. Mahzin. T'es sûr, c'est Marzine I sur le Z, l'oseille. Sur l'oseille.
T'es sûr c'est mahzi ou mah? Parce que la haraka là, sur le zaï. Mahzen, très bien. Mahzen, très très bien. Donc Moussa, donc t'as bien retrouvé. Donc mahzen, donc magasin, mahzen. Voilà, magasin. Mahzen. Mahzen, très bien. Ok. Fadila. Fadila, est-ce que tu es là? Fadila. Oui, Mahzanoun, oui, Mahzanoun. Donc il a pas mis le, il a mis le second sur le noun, mais c'est pas grave. Fadila, alors voilà, continue donc dans l'ordre. Oui, c'est Mahzanoun, oui. On dit Hanout. Alors, Fadila continue donc dans l'ordre. Le troisième mot, chiffre. Donc le chiffre, est-ce que tu as réussi à trouver? Après, c'est Slios après. C'est pas le 13. T'as une deuxième chance, Fadelo. C'est pas le 13. Oui, c'est vrai que ça se ressemble. Oui, je suis d'accord, ça se ressemble. Mais ce n'est pas le 13. Ce n'est pas le 13. Donc, il n'y a pas forcément toutes les lettres. Voilà, il n'y a pas forcément toutes les lettres dans le mot en arabe. Mais c'est très très proche. Peut-être parfois il y a une différence. Très bien. Donc c'est le 8. Parfait. Donc c'est sifrun. 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 Donc chiffre. FR. Donc à la fin, il se ressemble. Donc il y a avec la différence avec le début. Donc c'est un sad. Alors que ça, c'est un CH. Sifrun. Qui veut dire zéro. Mais de base, c'est pris de mot sifrun. Le chiffre zéro. D'accord? Donc, Sifrun. Alors, je rappelle que seules les personnes désignées qui répondent, s'il vous plaît. Faute de quoi, malheureusement, vous allez vous retrouver exclu de ce live. Voilà. Très bien, Fadila, ok. Super. Looping. Est-ce que tu es là? Sifrun. Sifrun. Très bien. Pour les phonétiques, c'est bon, c'est correct. Sifrun. Donc, c'est un S emphatique. Seules les personnes désignées qui répondent, s'il vous plaît. J'espère que c'est clair, mais en tout cas. Joana, non, Gazelle, c'est pas le 9. On l'a déjà passé. Le Gazelle, c'était pas le 9, non. Non, c'était pas le 9. Non, c'est pas le 9, on l'a déjà corrigé. Alors, Mikazu, comment on fait pour s'inscrire? Ben, rien, il faut juste être là pour les lives, pour les cours. Alors, attention. Le 4, donc toubib, qui veut dire médecin. Donc, à ton avis,
c'est quel mot qui correspond. Allah, il dit comment m'arrêter de répondre, arrêter de commenter. J'arrive pas à vous comprendre. J'arrive pas à vous comprendre. J'ai dit abstenez-vous de répondre. Barakallahu fikoum. Surtout ceux qui étaient là depuis le début. J'ai passé la consigne. Je ne veux pas de commentaires. Je ne veux pas de commentaires, sauf la personne désignée. Je ne sais pas combien de fois je dois le répéter. Allah a dit comment ça. Alors, est-ce que j'ai désigné la personne ou pas? Le 2, Towiboun. Ouais. Alors, ouais, tu t'es trompé. Alors, c'est bien le 2, très bien. Par contre, ça, c'est la lettre B. Le point en bas, c'est le B. Deux points en bas, c'est le i, la voyelle longue. Donc le b, avec kasra, bi, bi, ta, bi, boun. Ta, bi, boun. D'accord? Ta, donc ta, bi, boun. Toubib, oui, toubib. Donc ta, bi, boun. Ta, bi, boun. Ta, bi, boun, donc un médecin. Très bien. Alaykoum salam. Alors, on a trouvé. Donc, du coup, Tabi, on a trouvé. On a trouvé aussi le 9. On a trouvé le 10. On a trouvé le 8. Et là, on a trouvé, du coup, ouais. Donc là, on est au niveau de cinquième mot. Le cinquième mot. Alors, le cinquième mot, je vais appeler Ibrahim TV. Ibrahim. Tout le monde va passer. Vous avez passé tous et toutes, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Donc, même si la liste est terminée, on va donner d'autres mots, ne vous inquiétez pas. D'accord? Restez à la fin, s'il vous plaît. Et simplement respectez, s'il vous plaît, les consignes données. Donc, je ne veux pas de commentaires. Je ne veux pas de commentaires. Seules les personnes désignées qui répondent. Je veux voir que la réponse de la personne désignée. Alors, Ibrahim, donc pour le cinquième mot, coton, pour le coton, à ton avis, c'est lequel? C'est quel mot qui correspond? Donc, tu me donneras le numéro du mot et tu me donnes aussi les phonétiques pour voir si ce que tu as réussi à lire ou pas. Alors, coton, Ibrahim, c'est quoi ta réponse, s'il te plaît? Ibrahim, s'il te plaît. Est-ce que tu as réussi à trouver? Donc, coton, donc le cinquième. Ibrahim, je t'ai perdu là.
Alors, Ibrahim. Oui, mais Ibrahim, donne-moi la réponse. Donne-moi la réponse, Ibrahim, depuis tout à l'heure, je t'attends. Oui, Kylian, tu veux passer après, Inch'Allah. Ibrahim. Non, malheureusement, Ibrahim ne m'a pas donné la réponse, donc je vais désigner quelqu'un d'autre. Najma, est-ce que tu as réussi à trouver ou pas? Najma? Oui, Najma, tu peux répondre. Najma seulement qui répond, s'il vous plaît. Najma, c'est quoi ta réponse, Najma? Attendez, s'il vous plaît. Très bien. Donc c'est le 1. D'accord? Najma, c'est bien ça. Donc c'est le 1. Et c'est quoi les phonétiques? Oui. Najma, c'est quoi les phonétiques du coup? Est-ce que tu as réussi à reconnaître toutes les lettres ou pas? Très bien. Koutoun, alors, ouais. Alors, simplement le T ici, le T emphatique, très bien. Koutoun, 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 koutounoun. N'oublie surtout pas le tanwin à la fin. Donc, dans ma tête, un, koutounoun, d'accord? Koutounoun, koutounoun, d'accord? Très bien. Najma, c'est bon, ok. Très bien. Kylian? Alors, Kylian, après Nasira, après Shahrazad Zen. Donc, alors, est-ce que tu es là? Le ping, il y a le Noun. Tu as oublié le Noun. C'est pas Kout-un. Non. Kout-nun. Il y a le nun à la fin. Tu l'as pas mis. Peut-on revenir sur le mot chiffre car j'ai des réserves? Faut qu'on avance pour l'instant. Alors. Alors, Kylian, continue donc pour le mot, le sixième mot, la jupe. Jupe. Jupe, c'est quoi? Kylian?
Très bien. Donc c'est bien le 11 qu'il y a, oui. Après, c'est quoi les phonétiques? C'est quoi les phonétiques? Non, fixement, ça m'a thème. Alors, Kylian. Joubaoun. Attention, Kylian, c'est pas un H. Regarde, ici, là, tu as les deux points. S'il n'y aurait pas les deux points, oui, on peut dire Hun, le H, mais là, tu as deux points. Du coup, c'est quoi? Quand tu as deux points sur le H. S'il vous plaît, Yusra et les autres, s'il vous plaît, revenez pas pour l'instant. Restez dans. Voilà, vous êtes toujours au niveau du chiffre. On a déjà parlé de ça. Là, on avance. Et j'ai dit, abstenez-vous de répondre pour l'instant, parce que là, je ne vois pas du tout c'est qui répond. J'attends la réponse de la personne, mais c'est perturbant. Franchement, c'est perturbant. Je n'arrive pas à comprendre. Et pourtant, je passe des consignes claires. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas malheureusement. Joubataoun. Alors, pourquoi tu as rajouté Anali à un A après le T? Oui, c'est bien le T, très bien. Par contre, pourquoi tu dis Joubataoun? Pourquoi le A? Faut pas rajouter le A après le T. Francisca 44, comme c'est. S'il vous plaît, je veux que la. Voilà, je veux pas d'autres commentaires. Comprenez ça. Je veux voir que la réponse de la personne désignée. Pourtant, c'est clair, la consigne, elle est claire. Joubatoun, très bien. Kylian, très bien. Donc, Joubatoun, donc c'est le 11e. Jou, ba. Donc, il y a la chaîne d'un, donc on appuie sur le bas. Ça, c'est le T, donc Tamarbota, donc avec Dharmaten, donc Joubatoun, jupe, une jupe. Ok. Nasserin, est-ce que tu es là? Soyez réactif, s'il vous plaît. Mettez un peu de vitesse, s'il vous plaît. Yusra, pardon, c'est pas Yusra. Nasserin. Alors Nasera, donc après c'est donc ensuite Nasera, après c'est Shahrazad et après c'est Mustapha. Ok? Mustapha après. Après Shahrazad. Alors Nasera, vas-y pour la suite. Le septième, casser. 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 Le verbe casser. Le verbe casser. Après Janet, après Mustapha Janet. Alors Nasserin, c'est à toi. Alors K, C. K, C. Rime après. Après Janet, c'est rime. Alors là, c'est là. Là, je m'en vais. Très bien, super. Allez, là, c'est là. Alors, K, C. Alors,
Regarde que dans la lettre, donc le verbe casser, il y a le K, le son K, le S et le R. Donc le kaf, le sin et le ra. C'est lequel de ces mots-là qui contiennent trois lettres, le kaf, le sin et le ra? Le kaf, le sin et le ra dans l'ordre, dans cet ordre en insérant. Comme cela, Khadra, ça fait longtemps. Casser le 7, aïe, non, mais non, Nasserin, ça peut pas être le 7. Je t'ai dit trois lettres, le 7 c'est cinq lettres. Ah non, ça peut pas être le 7. Nasera, tu as une dernière chance. Sinon, je donne. Je laisserai quelqu'un d'autre répondre. Trois lettres, c'est trois lettres. Voilà, le 12, très bien. Donc le 12, Kassara. 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 Donc, cassé. Kassara. Cassé. D'accord? Le 12. Alors, pourquoi ici, on a tous les noms, ils se terminent par tenwin, un, sauf Kassara, pourquoi? Parce que c'est un verbe. Kassara, c'est un verbe. C'est pour ça qu'ils se terminent par une fetha. Donc les verbes, certains groupes de verbes, notamment les verbes passés, bah, ils se terminent toujours par une fatha. Il y a pas, donc on a dit que le verbe ne prend jamais tenwin à la fin, il ne prend jamais double haraka à la fin. C'est ça. Ok. Ensuite, alors du coup, pour l'huitième, Karaf, donc ça va être Shahrazed. Est-ce que tu es là? Non. Shahrazed. Shahrazed, est-ce que tu es là? Alors, Shahrazed, vas-y, s'il te plaît, pour le huitième. Caraf. Alors, caraf. Une carafe. 21-07. Sbahir. Sbahnour. Caraf. Alors, carafe, alors, je vais enlever déjà carafe, 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 carafe. Est-ce que tu as réussi à reconnaître le mot? Carafe, une carafe. Le sixième, Shahrazed. Non, 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 non. En principe, on doit toujours trouver au moins minimum deux lettres qui se ressemblent. Regarde. Carafe. Enlève les voyelles. Donc, tu as le K, le son K, le R, le Ra, le R et le F. En principe, tu dois, dans le monde arabe, tu dois trouver minimum deux lettres. Commune. Donc regarde, le sixième, c'est pas possible. Oui, il y a le kaf, mais il y a le ha, il y a le lam. Donc déjà, il n'y a même pas de lettres communes. Ça peut pas être le sixième. Non, c'est pas le sixième. Deuxième chance pour toi, Charles Z. Z.
Charles Z, c'est parti où? Très bien. Donc c'est bien le 3. Garrafun. Garraf. Garraf. Donc carafe. Tu vois? Carafe. Garraf. Donc là, ils sont les deux lettres communes, c'est notamment le RA et le F. Le R et le F. D'accord? RF. Carafe. Garraf. D'accord? Très bien. Et du coup, donne-moi les phonétiques, s'il te plaît. La phonétique du troisième mot. Charles Z. Les phonétiques, s'il te plaît. C'est long. Ralfoun. Ra. Il n'y a pas de lame. Pourquoi tu mets un lame, Charles Z? Est-ce qu'il y a un lame? Il y a trois lettres. Trois consonnes avec une voyelle longue. Il n'y a pas L. Il n'y a pas un lame. Foun à la fin, oui. Mais le lème, pourquoi? Laura, c'est bien. Ra. Mais la deuxième lettre, ce n'est pas. Non. Tu n'as pas reconnu la deuxième lettre. La Lorraine, c'est quoi la deuxième là? Qui porte la chaîne dedans? C'est quoi comme lettre? C'est pas un J. C'est un R roulé. C'est un R roulé. Non, Nejma, t'as pas le droit de répondre. En plus, tu ne réponds pas correctement. Rarrafoun. C'est un R roulé. C'est un R roulé. Rarrafoun. Ra, ra, ra. Ra, ra, foun, ra, foun, ra, foun. Donc c'est un R roulé. Donc c'est le R anglais, d'accord? Alors, s'il vous plaît, évitez de répondre, s'il vous plaît, à la place des autres, s'il vous plaît. Ok, Mustapha, pour la suite. Ah ouais. T'as de la chance, Mustapha, pour la neuvième. Alors, neuvième, sucre. 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 Le neuvième, sucre. Le neuvième mot, le sucre. Sucre. Oui, très bien, Mustapha. Donc c'est bien le 5, le cinquième. Donne les phonétiques, s'il te plaît. Soukaroun. Soukaroun. Alors, t'as pas mis en évidence la chaîne dedans. Mustapha. En principe, tu as la chaîne sur le kef. Donc, en principe, c'est un dédoublement. La chaîne c'est un dédoublement. Donc, au niveau des phonétiques, il faut bien le mettre en évidence quand tu as la chaîne dedans. Donc, il faut dédoubler la lettre. C'est-à-dire, on doit avoir combien de kef? Non, deux kef. Soukaroun. Soukaroun, très bien. Soukaroun, sucre. Soukar. Soukaroun, le sucre. Janati. Ça va, c'est bien. Janati.
Inch'Allah, t'as déjà répondu. Le dixième, miskinun. Super. Tu en as-tu le quatrième? Miskan, miskinun. Miskan, miskinun. Donc le dixième ici, donc, c'est miskinun, donc c'est le quatrième. Miskinun. Mi, mi avec kasra, mi, le sin avec sukun, s, le kef avec kasra et le y a prolongation. Ki, nun, miski, nun, miskan, miskan. Tu as été efficace, rapide, très bien. Rime. Rime. Rime, est-ce que tu es là? Oui, alors vas-y, la suite s'il te plaît. Le onzième, macabre, un macabre, 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 un macabre. Alors, bien évidemment, le sucre on l'a trouvé, le misca on l'a trouvé, le harraf on l'a trouvé. Donc, principe. Allez, c'est à toi, rime. Macabre. 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 Le septième. Très bien. Et donnez phonétique, s'il te plaît. Les phonétiques macabara. Alors pour le qaf, sur le qaf ici, on voit ce qu'il y a comme haraka au-dessus, c'est un soukoun, c'est la petite bulle, donc ce n'est pas un a. Pourquoi tu dis maka? Pourquoi tu dis maka? Ka? Il n'y a pas de fatha pour le, sur le qaf. Donc c'est bien, mais tu t'es trompé sur une haraka. Donc t'as un sukun et ce n'est pas une fetha. Donc si tu rectifies, ça donne quoi? Très bien. Maqbaratun. 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 Macabre. Macabre. Maqbaratun. D'accord? Très bien. Ok. On va... On va appeler Maïdiop. On va appeler Maïdiop. Maqbaratun. Maqbaratun. Macabre. Donc bien évidemment, quand on a emprunté ces mots à la langue arabe, donc on ne les a pas pris comme ça, on a fait quelques transformations, mais on a gardé donc l'essentiel des lettres de ces mots-là. Donc on a peut-être modifié une lettre ou deux, modifié les harakettes, mais en tout, donc en globalité, le mot il garde toujours ses lettres de base, d'accord. Alors j'ai appelé qui déjà? Alors, oui. Du coup, là, il nous reste deux. Alors, j'avais appelé. Alors, j'avais appelé Azelmour. Il n'est pas là, je pense. Du coup, je vais appeler. Hayat,
Donc, Hayat, du coup, pour le deuxième, s'il te plaît, sorbet, un sorbet, sorbet, le 6. Réfléchis un peu, Hayat. Sorbet, sorbet. Comme j'ai dit, il faut trouver au moins deux lettres communes. Au moins deux lettres communes. Et avec le sixième, non? Il n'y a même pas. Il y a même. Il n'y a aucune lettre. Ouais. C'est le 13. Donc, shorb ou un charab. Donc. Sorbet, RB, donc le RA et le BA, le S et le CH, donc ils se ressemblent beaucoup, généralement, on ne garde pas le chine, donc soit on transforme en C, en S. Donc shorbun, donc sorbet. Shorbun qui veut dire le fait de boire, mais aussi... Sharab qui veut dire sorbet, donc une sorte de boisson, donc la boisson, d'accord? Sorbet, et donc un dernier, le dernier pour Saïdan, alcool, alcool, bah, en fait, smoothie, c'est pas un smoothie, c'est un sorbet. Oui, je sais que c'est une glace, parce que ça, c'est une forme qu'elle a pris, voilà, et que dans des sociétés qui sont spécialisées dans cela, mais ça reste une boisson. À la base, c'est une boisson liquide, d'accord? Sorbet, à la base, bah, avant que ça soit congelé, bah, c'était une boisson liquide. D'accord? Non. Saïda, il m'a dit le sixième. Non. Kouhoul. Kouhoul, alcool. Alcool. Donc, alcool. Alcool, alcool. Non. Alors, c'est pas un jim, Saïda. C'est pas un jim, c'est un ha. Parce que la petite bulle que tu vois là, en dessous de Jim, c'est pas, c'est un soukoun de Qaf. Donc, kouhoul, alcool, alcool. Donc, en anglais, on le voit clairement. Alcool, même si on ne prononce pas le H. Alcool, alcool. Donc, c'est plus proche en anglais qu'en français. Mais en français aussi, ça reste proche. Donc, alcool, alcool. Alcool, alcool. Très bien. Donc, je vous donne la réponse finale. Kouhoulounam. Kouhoulounam, c'est évident. Alors, du coup, gazelle, on a dit, c'est razel, le 1. Donc, gazelle, c'est le 1. Magasin, mahzen, deuxième. Chiffre 0, 3. D'accord? Tobib, tabib. Coton, coton. Jupe, jupa. Cassé, cassara. Carafe, sucre, socar. Miskin, miskine. Macabre, maqbara. Sorbet, charab ou bien chourb, 12. Et alcool, kouhoul, 13. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est la correction
de cet exercice. Donc, si vous voulez screener pour avoir un peu de vocabulaire. Donc, ça, c'est des mots qui sont très, très communs, donc ceux qui sont d'origine arabe. Donc, on va donner une deuxième liste pour ceux qui ne sont pas passés. Mais je suis content aussi que vous ayez réussi à trouver. C'est très très bien. Félicitations à tout le monde. Alors, donc je vais effacer. Donc si vous avez fini de... Donc là, on va donner une autre liste des mots, donc toujours dans la même logique. Alors, on va dire. Calife, girafe, amiral, alchimie, douane. Les douanes, un caïd, un récif, un bled, termine par un café, mais notamment un kawa. Là, c'est les mots c'est le mot français. Donc, je vous donne l'équivalent en arabe. Kim Yaoun, Kim Yaoun, et
Donc, mettre les pronoms. Alors, cette fois-ci, on va répondre collectivement. Alors, vous attendez juste que je termine. Donc, ça va être des réponses collectives. Donc, vous pouvez participer tous si vous voulez. Donc, Diwan. Alors voilà. Donc, tout le monde peut participer, bien évidemment, pour ceux qui veulent, bien sûr. Donc, je vous oblige pas tous, mais voilà. Donc, prenez le temps. Donc, je vous dis pareillement, donc le même principe demander. Donc, dans l'ordre, donc calife. Donc, je vais dire le premier mot. Après, vont me donner les réponses suivant le mot que je viens de dire. D'accord? Il ne faut pas répondre tout, à toutes les questions. Donc, on va d'abord regarder le premier mot. Ensuite, on corrige pour tout le monde. Et après, on passe au deuxième mot. D'accord? Donc là, il n'y a plus personne qui est désigné. Donc allez-y. Donc c'est parti pour le premier mot. Calife. Calife. C'est quoi le mot en arabe? Donc vous me donnez le numéro. Dans le même commentaire, dans la même réponse, vous mettez le chiffre. Voilà, comme tout à l'heure. Et juste devant, vous mettez, ou bien entre parenthèses, la phonétique. La phonétique du mot en arabe. C'est parti pour tout le monde. Sarah Mess. Hanan. Non, non. Moussa Moulklofik. Mustapha, c'est bien. Je zoome un peu. Alors. Non, tous les mots, ils ont des harakets. Attendez. Ici, par contre, j'ai oublié une. J'ai oublié les deux points, oui. Alors, est-ce que vous avez réussi à trouver pour les autres? Alors. Brahim, vous répondez. Vous répondez aussi. Donc, ça, c'est pour tout le monde. D'accord? Janatine, très bien. Nejman. Attention, tu as oublié une lettre, Nejman. Moussa. Charles Z. Salihan. Selma. Slios. Salihan. Oui. Très bien, Fadela, c'est bien. Naruto, très bien. Khadra, j'ai pas compris le 4. 9-4, j'ai pas compris.
Alors, attendez, attendez, attendez. J'ai dit que pour l'instant, on est là, on est au niveau de premier mot. Pourquoi vous êtes déjà au niveau de quatrième? Comment ça se fait? Notamment, Khadra. Et je sais pas. Enfin, Khadra, oui. Je ne comprends pas. J'ai dit, on répond déjà au premier mot, s'il vous plaît. Calife. 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 Neige maintenant. T'as oublié une lettre, une consonne. Ibrahim, oui. Khadra, oui, c'est bien. Voilà. Donc, on fait mot par mot, d'accord? Ça sert à rien de me donner les réponses. Répondre en vitesse, s'il vous plaît. Rime, c'est pas califoun. Non, c'est pas califoun. Non. Attention, regardez ce que j'ai écrit. Vous avez bien repéré le mot, c'est bien, mais donnez-les les bonnes phonétiques. Vous avez le kha, le lam, le fa et le ta. Il y a un tas à la fin. Vous avez compris ou quoi? Badr. Salam. Donc très bien. Non. Mais Rim, tu me donnes toujours la même réponse. Alors. Donc la réponse, c'est donc c'est bien la neuvième. Ok. Et donc c'est Kha li fa tun. Kha li najma. Kha li fa tun. Khalifatun. Khalifatun. D'accord? Khalifatun. Rim, looping. Non. Oui. Non. Khalifatun. Ok? Donc, le premier ici, calife, khalifatun, khalifatun, donc n'oubliez pas le ta marbouta, donc le T là, donc les deux points sur vos petits drapeaux, donc c'est un T, donc ça il faut bien le prononcer, d'accord, avec Dammaten, donc tun. Alors, Khaddouj, s'il te plaît, ne saute pas ne brûle pas les étapes. Je n'ai pas encore demandé pour le premier mot. Alors, donc calife, calife, khalifa. D'accord? Donc le premier, les trois premières lettres, ben, elles sont pareilles, donc mis à part le T qu'on a rajouté à la fin. Ensuite, donc allez-y pour le deuxième, du coup, girafe, une girafe. À votre avis, c'est lequel? Girafe. Girafe. Alors, attention Fadila, à la première lettre. Tu as bien trouvé, mais est-ce que c'est un jim au début? Est-ce que c'est un jim? Hayet, oui. Khadra, c'est pas un DJ au début. Alors, est-ce qu'il y a un jim au niveau de au début du mot? Moussa, très bien. Khadouj, Nasira, oui. Habi, oui. Habi, oui. C'est ça. Brahim, je pense que tu n'as pas compris l'exercice. Hein. Girafoun. Je pense que tu n'as pas compris l'exercice. Il faut retrouver le mot ici. Et donc, une fois trouvé, bah, vous me donnez la phonétique. Il faut essayer de le lire. Mais ce n'est pas girafoun. Il n'y a pas un jim. Il n'y a pas de jim, Akhi Ibrahim. Janatinam. Naruto.
Mustapha, oui. Les autres? Les autres? Non. Il y a prolongation sur le alif, oui. Alif, voyelle longue, non. Rim, oui. Fatima, oui, tout le monde répond, non. Fadila, très bien. C'est l'Ozaï, non, c'est l'Ozaï. Khadra, oui. Saramès, oui. Moussa, ok. Charazadzian, oui. Saliham, très bien. Parfait. Donc, Zara Fatoun, donc c'est le huitième. Ici. Zara Fatoun. Girafe, Zarafa. Girafe, Zarafa. Donc, il y a différence entre le G, là, et le Zaï au début. Très bien. Voilà. Mais il y a quand même l'aura qui est en commun, le R, l'aura, et le fer, vous voyez, RF, RAF. Voilà. RAF, ZARAF, GIRAFE, GIRAFE, ZARAF. Ok? GIRAFE, ZARAF. Très bien. Pour le troisième maintenant, Amiral. Un amiral. Amiral. Un amiral. À vos claviers. Non, non. Naruto. Très bien. M. Oui. Nasera. Mustafa l'a dit. Amiral. Non, tu t'es trompé, Mustapha. Tu t'es trompé. Fadila. Attends, Fadila, t'es sûr c'est le 3? T'es sûr c'est le 3? Tu m'as bien donné la bonne réponse, mais au niveau de chiffres, je pense que tu t'es trompé. Khadra, oui. Khadra, Hayat, oui. Sleos, oui. Ben Brahim, oui. Salima, oui. Shahrazad, oui. Shahrazad, Zen. Ami, ah, t'as rectifié. Saliha, très bien. Samim. Amir, Janat, oui. Fadila. Fatima, oui. Très bien. Très bien. Donc, c'est bien le dixième. Donc, Amirun. Amirun. Donc, Amiral. Amirun. Donc, il y a le A. A. Il y a le Mim. Donc, Mim. Mi. Mi. Et le R. Vous avez déjà trois lettres ensemble. Amirun. Amiral. Amiral. Looping, oui. Voilà. Allez-y pour le quatrième. Alchimie. Alors, donc on a dit
Alchimie, alors est-ce que vous avez trouvé? Saliha. Khadra. Saramès. Donc alchimie, c'est la chimie en gros. Sherazadzin, Nam. Nasir El Sipa. Janati, Nam. Khadra, c'est pas Kimia Atoun. Il n'y a pas de T. Non, il n'y a pas de piège. Le bi. Bi. Non, il n'y a pas de piège. Alors parfois, le chine, donc le CH, donc soit on a transformé le kef, soit on a transformé le sin, soit l'ossad parfois. Donc il n'y a pas forcément un chim, un chine dans le CH. Il n'y a pas forcément un CH, un chine dans le mot en arabe. D'accord? Mais vous regardez, vous analysez un peu les ressemblances qu'il peut y avoir. Donc la chimie, ou bien l'alchimie, parce qu'à la base c'était l'alchimie après, mais donc les terminologies d'aujourd'hui, c'est la chimie. Salih, Fatima Naam, Slius Naam. Oui, Fadila, t'as un doute, mais c'est ça. Alaykoum salam, Anissa, Rifia. Fadila. Oui, c'est une Hamza à la fin, Fadila Naam. Oui. Alors la réponse, c'est la deuxième. D'accord? Donc, si, ben en fait, alors, Nejma, on ne peut pas trouver si on ne sait pas comment ça s'appelle en arabe. Non, l'exercice, la logique de l'exercice est simple. C'est que vous lisez le mot alchimie, d'accord? En principe, vous le gardez dans votre tête, d'accord? Donc, ensuite, vous venez là, vous essayez de lire. Vous essayez de lire un maximum de mots ici. Et en principe, il y a forcément un mot qui doit correspondre à ce que vous venez de lire. Par exemple, ici, calife. Regardez, calife. Vous lisez calife et regardez. Ensuite, vous passez à cette colonne. Donc, Diwan, par exemple, dans votre tête. Ça, Qaïd, Bilad, Rasif, Wijaya, Kawa, Zarafa, Khalifa, Amir. Ah. Alors, quand vous arrivez là, Khalifa, calife, Khalifa, calife. C'est comme ça que vous trouvez. Donc, il faut déjà prononcer le mot en français et ensuite chercher dans la liste des mots arabes. En principe, forcément, il y a un mot qui correspond le plus à ce que vous venez de prononcer, d'accord? Donc, bravo à ceux qui ont trouvé, voilà, très bien. Donc, c'est kimia, voilà. Chimia, donc alchimie, kimia, alchimie, kimia, voilà. D'accord? Qui Chimia, chimia, chimie, alchimie. Alors, ensuite, le cinquième, s'il vous plaît. Les douanes, douanes. Les douanes, c'est quoi? Donc, douane, à votre avis, c'est quoi? Douane. Les douanes. Alors voyons. Ashbinan. Très bien. Mustapha, pourquoi tu dis pourquoi Y? Pourquoi tu mets un Y? À moins que le Y c'est une nouvelle langue, je sais pas, mais
Saliha, très bien. Charazenam. Hayat, oui. Naruto, oui. Nasira, oui. Najma, oui. Janet, oui. Lahsen, oui. Diwan, Fadila, oui. Fatima, oui. Très bien. Visus, oui, très bien. Saramès, oui. Selma, oui. Fadila. Avec le alif de prolongation après le waou. Il y a combien de lettres de prolongation, Fadila, dans ce mot-là? Diwan, nun, nan. Salios, oui. Charazed, nam. Loping, oui. Di. Alors, loping. Pourquoi, après le W, tu mets OU? Est-ce que tu vois une damma? Est-ce qu'il y a une damma après le waou? Pourquoi tu mets OU après le W? Très bien, donc on va corriger. Donc le cinquième douane, c'est Diwanun. 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 Deux prolongations. Le ya, là, le ya, c'est une prolongation longue parce qu'il n'y a pas de harka dessus. Le alif, c'est une prolongation longue. C'est la maman de fatha. Et le ya, c'est la maman de la kasra. Donc, di. Wa nun, diwanun, douane, les douanes. Ok? Ensuite, le sixième. Kaïd, un kaïd. Non, on ne prononce pas waou. Non, non, non. On ne prononce pas waou comme ça. Looping. On dit pas waouh, waouh. Là, tu viens de me donner le nom de la lettre. Le waouh. Non, il faut pas donner le nom de la lettre. Dis wa, nun. Donc. S'il vous plaît, dis. Wa nun. Donc, prolongation du i, prolongation du waou, c'est tout. Di wa nun. Di wa nun. Di wa nun. Ok. Oui, la suite. Un caïd. Un caïd. Alors, chez Sec, non. Hayat Haddad, alors, Kaika, Idoum, non. Naruto, oui. Khadra, oui. HBI, oui. Shahrazad, non. Mustafa. Brahim, non, je me suis trompé. Bahadoun, non. Non, 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 Ibrahim, non. Fadila. Saramis, oui.
Seulement, oui, Tanasi. Alors, Janat, pourquoi KH? C'est pas un KH. C'est un Kaf. C'est le K emphatique. Ka. Ka, ka, ka. Voilà. Ka, ku, ki. C'est pas un Kha. C'est le KH, c'est le Kha. Oui, Saliha. Moussa, Sleos, Khadra. Najma. Oui, Sleos. Donc voilà. Très bien. Donc, c'est le troisième. Donc, ici. Donc, Ka. Ka. I. Doun. Ka. I. Doun. Ka. I. Doun. Qa idun. Alors, le qaf avec la fatha, c'est qa. Renforcé avec le alif de prolongation. Donc, qa, qa, prolongation. On a dit que la hamza ici, il a un support waw, alif, support ya, pardon. La hamza ici, donc il a un support ya. Donc, c'est pour ça qu'il a perdu les deux points. Donc, qa, i. Donc on a dit qu'on s'il hamza, on s'intéresse simplement à la haraka, donc on a la kasra. Et le son de la kasra, c'est le i. Ka i, ka i. Et le del, donc avec dans ma tête, doun. Ka i doun. Ka i doun. D'accord. Ka i doun. Ka i doun. Donc. Ka i doun. Ensuite, le septième, s'il vous plaît. Un récif. Un récif. Récif. Alors, est-ce que vous avez réussi à trouver récif, récif, Moussa, Charazed, Charazed, il te manque une voyelle. Fadila, très bien. Salma, oui. Naruto, HB, oui. Hayat, oui, Saliha. Très bien. Les autres. Jonathan. Pourquoi Rasoui, Rasoui, Foun, Janet? Hein? C'est lui ce qui se m'a marqué là. Rakfound, Rakfoun. Aïe, aïe, aïe. Non, Slios, je ne sais pas ce que tu m'as marqué. Charazed, oui, c'est bon, c'est ça. Nejma, c'est le cinquième, mais je veux la phonétique. Oui, Slios, c'est bon, je compte t'as rectifié, c'est bon. Oui. Très bien, très bien, très bien. Hanan, oui. Khadra, Jonathan. Ok. Parfait. Donc, alors, Brahim, oui, c'est ça. Sifoun. Voilà. Donc, un récif, Rasifoun, Rasifoun, Ra. Donc R roulé avec la fatha. Donc ra, ra, ra. L'ossad avec kasra. L'ossad, c'est le S emphatique. Avec kasra, il voyait la langue. Le yé. Donc rasri, rasri, sri, sri. Donc l'ossad, c'est une voyelle
emphatique, grave. Donc, on dit rasrifun, rasrifun. Et le fa avec dammatan, donc fun, rasrifun, rasrifun. Un récif. Alors, ensuite, le huitième, une bougie. Une bougie. Une bougie. Alors, c'est quoi? Est-ce que vous avez réussi à trouver ou pas? Une bougie. Alors attention, la première haraka qui est sur le ba, c'est pas une fatha, c'est une kasra. Moussa. Non. C'est aussi le nom d'une ville en Algérie. Ashbinam, très bien. Oui, Salihat a rectifié, c'est bien. Fadila, très bien. Khadra, c'est bien. Naruto, oui. Selma, c'est bon. Saramès, oui. Nejma, oui. C'est un Kabylie, c'est ça? C'est un Kabylie, je connais pas trop. Oui, j'ai. Voilà. Voilà, donc c'est une bougie. Voilà, sens. Donc on connaissait le sens de cette ville algérienne. Alors, correcteur auto, orto, pas que je parle arabe. Ouais. Bah, il faut le battre. Il faut pas hésiter à lui corriger. Très bien. Ok. Super. C'est bon. C'est correct. C'est juste. Voilà. Donc, le huitième. Donc, bougie, bijaya. Donc le ba avec kasra, bi, le jim avec fatha, et alif voyelle longue, ja, bi, ja, le ya qui prend une fatha, ya, tun, bija, ya, tun, bija, ya, tun, d'accord, bija, ya, tun. Le neuvième, un bled, donc c'est un mot qui a été emprunté aussi à la langue arabe, qui veut dire un pays d'origine, bien évidemment. Donc, c'est quoi le mot? HP, Biladon, Nam, oui, Hayat, oui, Moussa, oui, Saliha, oui, Khadra, oui, Janet, oui, Naruto, oui, Selma, Saramis, Fadila, Nasira, attention, Biladoyan, non, c'est pas biladoyen. Rectifie la zéro. Shahrazad Zen, oui. Comme Salam Badi Suisse.
Très bien. Donc, le bled, donc c'est biladun bi, donc c'est le quatrième. Donc, bi, le ba avec la kasra, bi. Le lam suivi de alif, donc on a dit qu'ils prennent cette forme-là. D'accord? Donc, le alif, il vient prendre cette forme diagonale avec fatha. Donc, ça donne bila. Donc, le alif, c'est une prolongation. Donc, bila. Doun, le dalek dans le matin, doun. Biladoun. Biladoun. D'accord? Donc, qui veut dire un pays ou voilà, un pays d'origine. D'accord, là, c'est là, pas de souci. Le alif lam avec fatha, c'est une voyelle longue. Alors, ce qui est voyelle longue, c'est seulement le alif. Le alif lam. Le alif. Le lam qui fait ça, lui, c'est une consonne. Mais comme on a dit, le lam, quand il croise le alif, bah, il prend cette forme. D'accord? Donc, on a dit, c'est les lettres amoureuses, comme vous l'avez bien mentionné la dernière fois. Donc, le lam, quand il est suivi de alif, il prend toujours cette forme. D'accord? Toujours. Donc, c'est d'ailleurs, c'est les seuls qui prennent cette forme, la lam. Et un dernier, un café, ou bien un kawa, si vous voulez, parce que. C'est comme ça qu'on le dit dans le langage familier. Donc, café, kawa. Hayat, kawa, oui. Moussa, oui. H, oui. Très bien. Najma, oui. Saliha, oui. Fadila. Selma. Khadra. Janet. Sherazade. Narbutu, Saramès. Saïda. Parfait. Très bien. Donc bravo à tous, vous avez bien réussi à retrouver tous les mots. Donc on va donner la correction finale. Donc j'espère que l'exercice a été bénéfique et que ça vous a permis de donc de revoir alors Diwan, on a dit Diwan, donc le cinquième. Alors, Diwan, donc le cinquième. Kimia, alchimie, donc le quatre. Caïd, 6. Piled, c'est le 9e. Récif, c'est un récif, 7e. Bijaya, bougie. Kawa, café. Zaraf, girafe. Khalifa, calife. Et Amir, amiral. D'accord. Donc, voilà donc pour les réponses. Donc, calife, khalifa, girafe, zarafa, amiral, amir, alchimie, kimia, douane, diwan, caïd, qaïd, récif, rassif. Bougie, bjaya, bled, bled, café ou bien kawa, kahwa. D'accord? Donc, vous l'aurez constaté,
donc beaucoup de ressemblances avec ces mots-là. Mais donc, c'est des mots, donc de confirmer, c'est des mots qui ont été empruntés à la langue arabe, d'accord? Donc, il y en a d'autres, bien évidemment. C'est des mots donc qu'il faut connaître pour voir. C'est pas des mots qui sont utilisés beaucoup, mais c'est des mots qu'il faut connaître. Peut-être que vous aurez un jour besoin. Voilà. Mais sachez que tout ce que vous apprenez, il vous servira un jour à quelque chose, obligé. Alors, du coup, on a terminé pour aujourd'hui. Il nous reste ensemble 3 semaines encore, bienvenue. Donc, et donc, il y a une information importante, c'est que dorénavant, tous les cours seront sur Zoom, d'accord? Sur Zoom. Donc, dorénavant, on va faire des lives sur Zoom pour pouvoir travailler sur des petits paragraphes, d'accord? Donc aujourd'hui, c'est le dernier cours au niveau de TikTok. Donc ça, premièrement. Deuxièmement, c'est que on va plus avoir deux séances, trois séances par semaine. On va faire que 2 séances par semaine. Ça va être du coup tous les lundis, mercredis seulement. Il n'y aura que 2 séances et ça sera sur Zoom. Donc, au lieu de faire 2 heures, ben on va faire 2 heures et demie à peu près. D'accord? 2 heures et demie à chaque séance. Donc, pareillement, il va y avoir. Donc, on va respecter toujours le même procédé. Donc, c'est que c'est les sœurs qui passent en premier. Et c'est après, c'est aux frères par la suite. D'accord? Donc, on va garder le même schéma, la même organisation par rapport à la dernière fois. Donc, il faut être là, donc sur Zoom. Donc, je note ça au tableau. Alors, donc je rappelle qu'on a terminé. On a terminé les cours par rapport à tout ce qui est, théorie, d'accord? Donc les cours théoriques, on les a terminés. Donc là, les dernières séances qui restent, c'est plus de la pratique, d'accord? De la lecture, on va essayer de s'entraîner, de revoir ensemble les lettres qui posent problème. Mais du coup, ça va être sur Zoom, d'accord? Ça va être sur l'application Zoom. Donc, en principe, vous avez tous le lien. Je vous ai envoyé le lien. Alors, tous les lundis, du coup, tous les lundis et mercredis, d'accord? Donc, de 20h jusqu'à 21h, on va dire, 21h20. Pour les sœurs, d'accord? Et 21h20 jusqu'à 22h40. 22h40 pour les frères, d'accord? Donc, pareillement pour les mercredis, d'accord? Donc, donc j'ai rétréci le nombre de jours des cours. Par contre, on aura du coup que 2 séances par semaine. Donc là, en gros, il nous reste à peu près 5 séances, d'accord? 5 séances. Et du coup, on a un peu augmenté donc la durée de chaque live, d'accord? Pour pouvoir s'exercer au maximum. Donc ça va être des textes à lire. Alors, oui, je vous envoie le lien HB, il n'y a pas de souci. Donc je vous envoie le lien. Ceux qui n'ont pas le lien, Khadra, apparemment, je t'envoie Inch'Allah. Donc la dernière fois, non, du coup vendredi, il n'y aura plus de cours. Non,
Donc ça va être que lundi et mercredi. D'accord? Que lundi, mercredi. Donc ça va être intensif. On va lire un grand texte, enfin un texte moyen, mais voilà. Et on va essayer donc de s'entraîner ensemble et de voir ensemble les lettres au niveau de la prononciation. On va essayer de trouver, de retravailler les lettres, la prononciation des lettres spéciales. D'accord? Le Ain, le Ha, le Qaf. Voilà, toutes les lettres qui posent encore problème, ok. Voilà, donc voilà la nouvelle organisation. Donc les jours, tous les lundis, mercredi, et je rappelle que non, il n'y aura plus TikTok du coup, il n'y a plus TikTok pour les débutants, ça va être du coup les derniers, les 5 derniers lives, ça sera sur Zoom. Donc c'est une application que vous pouvez installer et se connecter directement à la salle. Donc je rappelle que c'est des cours qui ne sont pas mixtes. Donc il y a les sœurs d'un côté et les frères d'un autre côté. Donc il n'y a pas de mélange parce que ça c'est le choix, le choix de certaines sœurs, voilà, qui ont choisi de ne pas se mélanger. Donc, voilà. Donc, pour bougie, c'est ça. Bougie, c'est bijayatun. Bougie, bijayatun. D'accord? Bougie, bijayatun. Donc, voilà. Donc, je rappelle quand même donc que au niveau de aujourd'hui, vous avez tout ce qu'il faut pour ceux qui ont bien évidemment assisté à tous les cours depuis le début. Vous avez tous les éléments qu'il vous faut pour pouvoir commencer à lire. D'accord? Il faut commencer à lire. Barakallahu fikoum. Il ne faut pas attendre les lives pour apprendre. Faites un effort chez vous. Faites un effort de lire. Prenez le Coran. Prenez. Voilà. Il y a beaucoup de supports pour pouvoir lire. Vous avez des livres en arabe, vous avez des choses, vous avez des livres d'invocation, vous avez, voilà, tout ce que vous voulez, mais au moins, lisez quelque chose. Lisez quelque chose, s'il vous plaît. Donc, parce que aujourd'hui, vous avez tout ce qu'il faut. Oui, mercredi, c'est Zoom, oui. Donc aujourd'hui, c'est le dernier live au niveau de TikTok. D'accord? C'est le dernier live sur TikTok. Ceux qui n'ont pas le lien, qui me le fassent savoir en bas et je vous envoie le lien, Inch'Allah. Et donc, c'est le même lien, oui, c'est le même lien de la dernière fois. Donc, il n'y a pas de problème, ça n'a pas changé. Oui. Donc, les sœurs, voilà. Alors, Janati, je t'envoie aussi, Inch'Allah ta'ala. Donc voilà. Donc je rappelle que la plateforme Zoom, il n'y a pas de problème, c'est que des sœurs. Voilà, c'est que des sœurs. Donc il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas de. C'est une application sur laquelle vous vous connectez directement et vous vous trouvez une salle de cours. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mélange. Donc pour ceux qui veulent se préserver, il n'y a pas de problème. Donc on a fait ce choix de séparer. Comme ça, il n'y a pas de souci. Pas de souci, HM, il n'y a pas de problème. Donc, les frères, vous n'étiez pas assez nombreux la dernière fois. Je vous attends nombreux cette fois-ci. Oui, mais ça veut dire que là, c'est le dernier TikTok. Oui, Joanna, oui, là, c'est le dernier TikTok. D'accord? C'est le dernier TikTok parce que. En fait, ici, là, la dernière, ce qu'il nous reste à voir, c'est juste des points de sortie, voilà, points d'articulation. Et ça sera mieux de le voir sur un autre support dans lequel on pourra, je pourrai vous entendre et vous corriger directement. Donc, voilà. Donc, TikTok, on a terminé aujourd'hui. Pour les avancées, il n'y a pas de changement.
n'y a pas de changement, c'est toujours trois lives. Par contre, oui, du coup, pour les anciens, ça va être du coup, au lieu de samedi, ça va être vendredi. D'accord? Ça va être vendredi. Alors, Khadra, j'arrive pas à t'envoyer le lien. Enfin. Donc, pour les anciens, donc pour les avancés, donc ça va être tous les mardis, jeudi, vendredi. D'accord? Il n'y a plus de cours samedi. D'accord? Il n'y a plus de cours samedi. Donc, j'espère que ça a été bénéfique. Donc, je vous dis à bientôt, Inch'Allah. À mercredi. N'hésitez pas, comme j'ai dit, à lire. Oui, donc on a terminé pour cette année scolaire, si on peut dire ça comme ça. Donc, bien évidemment, on va organiser une sorte de rencontre à la fin, Inch'Allah. Donc, c'est prévu d'organiser un live sur Zoom. Collectif entre les anciennes sœurs et les nouvelles sœurs pour parler un peu de la suite. Donc après les vacances, pour ceux qui veulent continuer à apprendre la grammaire notamment. Donc on va faire une sorte de fête virtuelle. On est sur la plateforme Zoom, donc une rencontre collective. Donc bien évidemment séparée toujours. Et aussi les frères, donc ceux qui veulent rencontrer les frères qui étaient là aussi, qui sont au niveau avancé donc de la grammaire. Voilà. On organisera ça, Inch'Allah, le 15 juillet, Inch'Allah. Ça va être le dernier jour des cours. Nasira, ok, je tombe Inch'Allah aussi. Donc voilà, prenez soin de vous et puis alors donc là c'est le dernier cours avant la rentrée. Donc là après ce cours-là il n'y a plus de cours pour la langue arabe, d'accord? Il n'y a plus de cours jusqu'à la rentrée, d'accord? Jusqu'à la rentrée, il y aura plus de cours sur TikTok en tout cas pour la langue arabe. Bien évidemment, je reste. Voilà, ma chaîne elle est disponible pour revoir tous les cours d'avant. Aussi, n'oubliez pas que vous avez les commentaires, vous pouvez laisser vos commentaires, poser vos questions sur la chaîne, au niveau de la chaîne, au niveau des commentaires, pour si vous avez pas compris des choses. Voilà. N'hésitez pas. Donc, je reçois toutes les notifications. N'hésitez pas si vous n'avez pas compris des choses dans le cours Barclay. D'accord? Voilà. Donc, moi, je reste toujours sur TikTok, bien évidemment. Pour les cours d'arabe, là, c'est le dernier cours, d'accord? En tout cas, le dernier cours, il n'y aura plus de cours pas avant le début de septembre. Il n'y aura plus de cours de langue arabe sur TikTok, d'accord? Voilà. Il y aura peut-être des lives sur autre chose, mais en tout cas, pour la langue arabe, maintenant, c'est sur la plateforme Zoom. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas le lien des cours, n'hésitez pas à m'envoyer. Et je vous donnerai le lien, inshallah. Alhamdulillah. Donc, hayakum Allah, en tout cas. Et j'espère que donc ces cours-là vont vous permettre, vont vous donner envie d'avancer. Parce que le but, c'est ça. Maintenant, aujourd'hui, vous avez tous les éléments qu'il faut pour pouvoir lire. D'accord? Donc, alhamdoulilah, pratiquement en un mois, vous avez réussi à lire un maximum, voilà, à reconnaître un maximum.
Et donc je crois en vos compétences, en vos capacités de donc d'aller plus loin, notamment au niveau de la grammaire, etc. Donc il faut pas lâcher, maklaoufikoum, il faut continuer à lire, d'accord? Il faut continuer à lire et apprendre. Khadrat, si tu peux comme alors tout le monde peut participer au cours sur Zoom, mais simplement moi je n'ai pas le alors j'ai envoyé une invitation à tout le monde sauf alors sauf Khadra, j'ai pas réussi je pense au niveau de voilà, je n'ai pas réussi à t'envoyer le voilà. Essaye de me contacter au pire et je te donnerai inshallah le lien. Bien. Voilà, donc je disais que à la rentrée, ceux qui veulent apprendre, donc étudier la grammaire, d'accord? Donc les cours, donc c'est toujours possible, ce sera toujours possible, bien évidemment, sur d'autres supports, donc notamment Zoom ou autre. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va organiser à la fin une rencontre entre les anciens et les nouveaux. Et donc ceux qui voudraient apprendre notamment soit la grammaire ou le tajwid ou quoi, n'hésitez pas à me le faire savoir, à faire part de vos objectifs, d'accord? De vos objectifs par la suite, Inch'Allah. Voilà. Donc surtout, il faut donc ce que j'attends de vous, bien évidemment, j'attends de vous de partager autour de vous. Donc si vous connaissez des personnes qui sont intéressées par l'apprentissage, donc n'hésitez pas, à partager ces cours-là, ces lives, afin que ce soit, Inch'Allah ta'ala, profitable bah, à tout le monde. D'accord? Voilà, c'est tout ce que j'attends de vous. Et donc, encore une fois, je vous félicite tous et toutes d'avoir été là et s'intéresser à la langue du Coran. D'accord? Donc, Inch'Allah, on restera toujours voilà, en contact. Et puis, moi, je suis là pour vous accompagner, Inch'Allah, dans votre apprentissage, bi'inillah. Donc, hayakumullah en tout cas, et je vous dis à mercredi, bi'inillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Je vous laisse là, je حياكم الله. Alors, Mehdi, oui, pardon. Mehdi, alors est-ce que ce sera des cours avancés à l'entrée ou débutants? Chacun son niveau. Chacun son niveau. C'est-à-dire pour les débutants, vous qui viennent d'apprendre la langue arabe. Bah, vous serez débutant dans la grammaire. D'accord? Et les avancées, bah, on avancera sur ce qu'on a déjà commencé. Donc, voilà. Après, s'il y a des personnes qui veulent, par exemple, apprendre que le tajwid, les cours de tajwid, pour pouvoir lire le Coran avec les règles, là, il n'y a pas de souci aussi. Ça va être. C'est possible aussi. Pour ceux qui veulent apprendre que le tajwid aussi, c'est possible. Non. On en parlera prochainement et voilà, donc je le rappelle, je vous demande d'être assidu et d'être constant dans la lecture. Donc faites un effort, ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes par jour, lisez un petit chouïa, un petit quelque chose, ça va vous permettre vraiment de, Inch'Allah, de bien solidifier vos acquis, bi'idhnillah. Hayakumullah jamian, wa salam alaykum.
Je vous envoie le lien juste après, Inch'Allah, dans la soirée. Je vous envoie toutes et tous le lien. Ceux qui ne l'ont pas d'ailleurs, enfin en tout cas, ceux qui ne l'ont pas, je vous le renvoie. Bi'inillah. Assalamu alaikum. Hayakumullah.